En utilisant l'outil translation, construire l'image du triangle BrO dans la translation de moins 5 parallèlement à l'axe des X, puis de 10 parallèlement à l'axe des Y. Alors je vais réduire un peu l'écran. Voilà, donc là j'ai l'outil translation qui apparaît ici. Hein. Alors ici j'ai le triangle BrO et on nous demande de construire son image avec cet outil-là translation. Et dans la translation de moins 5 parallèlement à l'axe des X, puis de 10 parallèlement à l'axe des Y. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre n'importe quel sommet, disons celui-ci par exemple, le point, le point O, et je vais le déplacer déjà de moins 5, parallèlement à l'axe des X. Donc en fait, je vais diminuer son abscisse de 5 unités. Et autrement dit, je vais déplacer le point O horizontalement de 5 unités vers la gauche. Donc son abscisse ici, c'est 7. Si je la diminue de 5, eh bien, on va avoir une abscisse de 7 5, c'est-à-dire 2. Donc, en fait, je vais déplacer ce point-là, et tu vas voir que tout le triangle va venir en même temps. Et je vais déplacer ici au point d'abscisse 2. Voilà. Donc là, j'ai fait cette partie-là, un déplacement de moins 5 parallèlement à l'axe des x. Et maintenant, il faut que je fasse la deuxième partie, un déplacement de 10 parallèlement à l'axe des y. Donc je vais reprendre ce point-là, hein, qui correspondait au sommet O dans le triangle BRO, et je vais maintenant lui faire subir une translation de 10 parallèlement à l'axe des Y. Donc en fait, je vais déplacer ce sommet-là verticalement de 10 unités vers le haut. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc ce point-là avait une ordonnée de moins 6 et j'ai augmenté cette ordonnée de, de 10 unités, donc ce que j'obtiens, c'est une ordonnée de moins 6 plus 10, c'est-à-dire 4, voilà. Alors, normalement, ça, c'est bon, on va vérifier. Hein. Voilà, et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que j'ai agi uniquement sur un sommet, hein, celui-ci, et donc, l'image de ce sommet par la translation que je viens d'exécuter, et eh bien, c'est ce point-là qui est ici, et ce qu'on a dit, c'est que, son abscisse a été diminuée de, de 5 unités et son ordonnée a été augmentée de 10 unités. Et en fait, si tu regardes ce qui s'est passé pour les autres sommets, eh bien c'est exactement la même chose. Le sommet B a pour image ce point-là et son abscisse a été diminuée de 5 unités aussi et son ordonnée a été augmentée de 10 unités. Et tu peux vérifier que c'est la même chose pour le sommet R qui est ici, dont l'image est ce point-là dans, dans le deuxième triangle. Et là aussi, son abscisse a été diminuée de, de 5 unités et son ordonnée a été augmentée de 10 unités.